sommes 8 contre bassistes en temps normal, mais là il y a un poste qui est libre, donc on est 7. Donc à l'orchestre, on joue des contrebasses 5 cordes, contrairement aux contrebasses normales où il n'y a que 4 cordes, pour donner plus de grave, voilà, plus de présence, plus de son. Plein de types d'instruments différents, de formes différentes. Les épaules sont parfois plus larges, ce qui donne un son plus rond quand on fait des pizzas. Par exemple, cette contrebasse-là, les épaules sont assez étroites, et c'est plutôt fait pour de l'orchestre et avoir un son plus fin à l'archet. Voilà. Les épaules, c'est plus quand on a des épaules larges, la contrebasse, c'est plus pour faire du jazz. Voilà. On a tous des contrebasses très différentes et avec un son assez différent. Et l'ensemble produit quelque chose de très intéressant. Ce qu'on aime beaucoup jouer, nous, les basses, de manière unanime, c'est Richard Strauss. Et puis les symphonies de Beethoven, parce qu'il y a beaucoup de belles parties de basse, bien écrites, et qui nous mettent en valeur. Et voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup le thème à la contrebasse, on est surtout là pour accompagner les autres, pour supporter. On a des instruments à cordes, mais un petit peu à part, puisqu'on n'a jamais le thème, on n'est que là pour supporter l'orchestre et donner les fondations, les bases. Voilà.